Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui va pas durer longtemps comme d'habitude. J'ai reçu juste un truc sympa que je voulais partager, parce qu'en plus le mec fait du super bon travail. C'est, vous allez voir, c'est la surprise. Ça a été envoyé d'Allemagne. C'est quelqu'un qui fait généralement des haltères sur des altérations sur des cartes. Moi j'ai pas forcément commandé ça, j'ai commandé un autre truc que j'ai trouvé vraiment vraiment exceptionnel chez lui. On va voir ça ensemble. Voir comment c'est présenté. Ça a été envoyé super super rapidement. Lui, le délai, ça a été très très rapide. Je lui ai fait son virement. Il m'a envoyé ça. M'ont envoyé ça vraiment vraiment rapidement. Un type super sympa. Donc son nom, il n'est pas marqué là, c'est Mac Lotus Alter. Vous le trouverez sur Facebook. Mac Lotus. Voilà. Thank you for your order. Okay. Donc voilà. Donc il fait des playmats. Il fait des playmats et il fait des cartes. Voilà. On va voir ça. On va sortir cette petite beauté. On va voir ça ensemble. Alors, je suis désolé pour les qualités des vidéos, mais c'est fait à la va-vite. C'est fait pour partager. Des choses peut-être un petit peu plus poussées après, mais là c'est vraiment juste pour voir. Et quand je l'ai vu, je suis tombé amoureux de ce playmat, donc j'ai dit il m'en faut un. On va le découvrir ensemble. Hop. Il s'est fait un petit plaisir. Alors je le trouve. Alors pour les dimensions, je voulais le mettre sur un ultra pro pour voir. Donc pour les dimensions, c'est on arrive quand même un petit peu plus. On a un peu plus grand. Par contre, qualité top. Hein. On est sur un Ultra Pro tout neuf. Là, pareil, on voit, il y a l'antidérapant, c'est vraiment. On est sur la même qualité que quoi d'impression. Mais non, non, très 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 sympa. Là, il s'est fait un petit plaisir avec le Triskel, le Chaos Orb et le Mishra Workshop. C'est vraiment vraiment sympa. Ouais, la qualité est bien, il est bien imprimé. Il avait servi pour, je crois qu'il avait servi pour un tournoi, c'est ce qu'il m'avait dit. Moi, je l'avais vu avec, il y avait un petit stempel ici d'un logo d'un des tournois qui s'est passé peut-être en Allemagne ou enfin certainement en Europe. Et du coup, je dis peut-être des bêtises, hein, c'était peut-être à l'international, mais du coup, il avait fait ça, il avait fait ce petit playmat avec le logo. Donc moi, il m'a dit, bah, je peux vu que. C'était les participants du tournoi, j'imagine, qui avaient le droit de l'avoir et que je n'y ai pas participé. Il me l'a ressorti, mais sans le logo. Voilà. Donc c'est voilà. Après, on n'aime pas, mais franchement, là, faut être difficile pour pas trouver ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Donc voilà. Donc le petit playmat, c'était juste pour une petite vidéo vite fait. Là, courant de semaine, normalement, je devrais recevoir un set complet et puis pas mal de old school avec du Legend. Voilà. Donc voilà. Bah écoutez, bah je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Abonnez-vous, laissez un petit message positif, c'est toujours mieux. Et puis voilà, bah portez-vous bien.